Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi direction l'Alsace, plus précisément Strasbourg, direction l'Amenau, puisqu'il y avait un match entre Strasbourg et Ajaccio très très important pour cette course folle au maintien. Et franchement, elle a tenu toutes ses promesses. Voilà, Strasbourg 17e à l'heure actuelle qui est premier relégable et Ajaccio qui est 19e. Bon, voilà, c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'ils iront déjà en Ligue 2. C'est déjà scellé là-dessus. Ils ont déjà 9 points de retard, je crois, avec en plus le match qui s'est passé. Donc voilà, c'est parti. Je vous emmène avec moi. Et un petit bonus, je montrerai quelques images de Colmar parce que c'est une ville qui mérite d'être visitée. Donc si vous passez dans le coin, allez à Colmar, c'est sympa. Je vous mettrai des images en fin de vidéo. Des bisous et bon visionnage. Quelques instants, Strasbourg terminus. Ça, c'est une ville ou un quartier qu'on apprécie en tant qu'alcoolique. Hein. Après quelques mètres, voilà la vraie. Je vous présente certainement l'un des plus beaux édifices de France, la cathédrale de Strasbourg. Manger local, bien évidemment. Petite bière blonde, petite flamencuche au Munster, ça fait plaisir. Ça a pu de la gueule, mais ça va être sensationnel. Je vous en dis des nouvelles juste après. Après être sorti de table, d'ailleurs énorme banger, hein, les flamencuches alsaciennes, ouais, c'est pas du flams. La petite France, le quai de la petite France. Non, les gars, genre, vous avez trop de chance d'habiter à Strasbourg. Regardez comment c'est beau. De nuit, c'est magnifique. J'espère que demain, ce sera encore plus beau de jour. Jour 2, jour de match. On était à l'hôtel, tranquillement. Bon, bof, bof. En vrai de vrai, il est grand, il est spacieux. Mais c'est le strict du minimum. Bon, le strict minimum, parce que le strict du minimum, ça ne veut rien dire. Mais on a la fenêtre juste ici, on a le lit là. La seule prise du logement, ça fait plaisir. Bon, en vrai, sinon là, c'est grand. Une petite télé aussi. Mais j'avoue que bon, voilà, hein, faut pas payer plus de 60 balles la nuit. C'est quand même assez dingue. La tranquillité de cette ville pour sa grandeur, elle est quand même assez folle. On est dimanche matin, normalement il y aura quand même assez de monde, mais là. On se croit dans un petit village. T'as pas l'impression d'être à Strasbourg. Genre c'est. Regardez. J'étais l'année dernière. Tous les ans, faut aller à Strasbourg en fait. C'est incroyable. Incroyable. T'es là, tu manges. T'es là, t'es bien. T'es paisible. Le bruit de l'eau. Hop, tout roule. Ce que je vous montrais hier soir, de nuit, donne ça. Deux jours. Voilà. On va pouvoir aller sur les ponts couverts. Ça va être plaisant. Même le chien profite. Ça me termine. En fait, on est au château de la Loire. Arrêtez de me mentir, je suis pas à Strasbourg. Là, c'est les barrages Vauban. On s'était fermé hier soir. En fait, je sais pas si ça doit être la restauration de leur fond ou si, genre, c'est juste justement à cause de l'érosion et tout avec la pluie. Ils le laissent comme ça. Je sais pas. Si vous avez des infos, je suis preneur. Magnifique. Putain, la dernière fois il y avait de la pluie. Là je pleure sur le poulet tellement c'est incroyable. Que serait-ce un voyage en Alsace sans prendre un bas de zèle, voilà. Déguster pas si loin du bord de l'eau. Bien arrivé aux abords de la Meno. Voilà, la ferveur, hein. Toujours comme d'hab ici à Strasbourg. Ça va être guichet fermé contre Ajaccio, c'est dire. Voilà. L'engouement qu'il y a autour de ce club, on leur souhaite absolument pas la descente en Ligue 2. On va essayer de leur porter chance aujourd'hui. Strasbourg, quel club de roi. Ça me fait plaisir. Et de pas le regarder sur mon téléphone, mais en écran géant juste à côté de la Meno, dans un coin isolé. Putain, vous êtes... je vous aime. Merci. Et oui, même si on va pas tout le temps à Pierre-Mont, on suit toujours le LOSC. Toujours, toujours. Accompagné d'une bière, forcément, parce que sinon, c'est pas un week-end foot. Après avoir suivi la victoire du LOSC, maintenant il faut suivre la victoire de Strasbourg, on l'espère. Putain, quel. Oh là là là.
Putain, ça change pas, hein. C'est une dinguerie. L'insouciance à la sagesse, notre passion ne cesse. Je pense. Force au rush, t'as du mal à le déployer, mais. Et toute la, toute la tribune qui a applaudi les rushs pour enfin réussir. C'est beau. Ça sera frappé par l'arbitrage. Voilà, petite info. Mais on espère que le Racing gagnera, vaincra la CA ce soir. Parce que on veut le Racing pour ça en Ligue 1, encore la saison prochaine. Allez, pronostic 3. Oh, 27 quand même, valeur sûre, hein. Valeur sûre du championnat, hein. On aime beaucoup ici. Pour Ajaccio 0-0 à l'heure actuelle, alors qu'Auxerre et Brest gagnent. Bon, je vous avoue qu'Auxerre, ça serait bien qu'ils se maintiennent en Ligue 1. Brest s'en fout un peu plus, donc ça serait hors-jeu, frère. Le meilleur jeu, frère. Joker. Ça, c'est trop le football qu'on aime, putain. Ah, j'aime trop. Oh, le tapis magnifique. Oh, pour l'instant, je ne vois pas. Ceci est beaucoup plus intéressant que ceci. Ça change l'année dernière. C'est quand même assez fou. Strasbourg qui est en course à l'Europe l'année dernière, et là, je suis en course pour le maintien. Un peu mal au cœur. Ça réclame quelque chose, ça va demander à la VAR. A noter que les joueurs d'Ajaccio font que rouler par terre en main de contact. Donc c'est insupportable. Ça va l'avoir, la VAR, finalement. Ça va avoir la VAR, finalement. Et quand les arbitres assistants vidéo vont voir la voir, c'est généralement bon signe, on le sait tous. Oh, let's go! Allez, mon grand. À la Panenka en plus! Je me tais et je vous laisse admirer. Zero!
27e minute de jeu. 1-0 pour Sion. C'est-à-dire le niveau, mais il fait des très bonnes sorties. Oh, 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 la claquette, oh, il a gardé, il est trop fort. Allez, 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 oh, 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 il a mis une dinguerie. Il a fait un gosse au défenseur là-dessus. Je suis abattu, ça méritait le 2-0 là-dessus. Bah, la mi-temps ici, 1-0 pour Strasbourg. Petit encas de la mi-temps, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose pour un corps d'athlète. J'ai pas de corps d'athlète, donc je profite. C'est parti pour la deuxième période. Oh. Cristiano Ronaldo. En vrai, il y avait l'idée. Romain Mouma pour Ajaccio qui rentre. Il a l'âge de mon daron, frère. J'avais zappé aussi, chose assez. En vrai, je sais pas ce que vous en pensez, vous, du côté de Strasbourg. Parce qu'il a quand même entraîné Metz. Il est très bien cantonné, du côté de coach, maintenant. Du côté de Strasbourg. Quel est votre rapport, en vrai? Quel est votre ressenti? Dites-le-moi dans les commentaires, intéressant de débattre là-dessus. Allez. Ah, ça revient! Non! Oh, Kevin! C'est bon? Hey! Oh! Ah, oh là 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 là! Ouais. Oh, il m'a fait lever de mon siège, ce fou! Il vient de rentrer en jeu! Ah! Incroyable! Rien de mieux pour réveiller la méno, encore plus, parce qu'elle était déjà. Ouais, voilà, le débit de voix est bien plus fort. C'est monstrueux. Et oh là!
réduction, c'est la réduction de l'écart. C'était sûr. C'était soit péno, soit but. Dommage. Il va falloir tenir 15 minutes. Voilà, parce que c'est pas le meilleur moment pour prendre un but. 75e, ça laisse encore beaucoup d'espoir pour l'Ajaccio. On espère que ça va tenir bon. Par contre, assez surpris qu'Ajaccio ne fasse pas trop le jeu contre Strasbourg, honnêtement. On les avait vus face à Reims, c'était vraiment ignoble comme jeu. Et là, franchement, il faut souligner. On va pas faut tenir. C'est bien joué, ça c'est bien joué. Allez mon petit, allez mon petit. J'attends un peu de soutien, mais... Graille-le. Mais vous voyez personne là derrière. Un peu de soutien. Allez, ah oui, le contrôle. Ah, derrière, faut accélérer avant. Ah. Plaisir de venir ici, c'est encore plus plaisant à chaque fois quand il y a une victoire de Strasbourg. Bon, merci beaucoup de l'amener encore sur ce spectacle et on va s'en aller bien gentiment. Et voilà l'équipe, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Toujours un plaisir d'aller à Strasbourg, d'aller à la Méno. Quel public fantastique, franchement. Guichet fermé face au 19e de Ligue 1. C'est le 17e, c'est-à-dire que ça joue le maintien. Franchement, il y a énormément de ferveur. C'est top 3 pour moi des meilleures ambiances de Ligue 1.
Il n'y a pas de doute là-dessus. Si tu doutes, vas-y, tu comprendras, tu douteras plus. Non, franchement, je souhaite vraiment une bonne fin de saison aux Strasbourgeois en espérant le maintien parce que ce club ne doit pas descendre en Ligue 2. Voilà, juste pour la ferveur. Si les spectateurs jouaient à la place des joueurs, ça jouerait l'Europe chaque année. Voilà, malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Je vous dis à très très vite. Nous, on se retrouvera à Auxerre pour le match face à Lille en parkage. Ciao l'équipe.